Prenez un homme à la stature imposante, disposant d'une répartie suffisante. Mettez en scène sa compagne, toute sa famille à la campagne, son chien, ses loisirs, tout le toutim. Vendez des coups de magazine, polissez le tout à la télé, un peu de radio, des déjeuners. Prenez bien soin de son image, montrez de lui un côté sage, bien dans le fond, tout dans la forme. Continuez à travailler les interviews, écrivez-lui tous ses discours, ça vaut le coup. Et si ça ne rentre pas dans sa tête, offrez-lui donc une oreillette. Il y en a d'autres qui l'ont essayé, et aujourd'hui, c'est adopté. Alors pourquoi s'enquiquiner? Y a pas de honte à répéter. De toute façon, on sait ce qu'il pense, qu'il l'ait écrit sans importance, rien dans le fond, tout dans la forme. N'hésitez pas à le montrer à son public. La sympathie, ça se mesure en politique. Envoyez-le serrer des mains, tâter les fesses des bovins. Mélangez-le au populo avec des discours démagos. Ne dites pas ce qu'il va faire, mais ce qu'ils ont envie d'entendre. L'important, c'est de bien se vendre, rien dans le fond, tout dans la forme. Prenez une profession sans risque et à la une, une voie royale vers la gloire et la fortune. Prenez une époque merveilleuse, où l'honnêteté est enveilleuse, où l'important c'est de réussir, et peu importe s'il faut mentir, tout est là pour se servir, la République peut enrichir. Agir en toute impunité, le pays va lui apporter tout dans le fond, tout dans le fond et tout dans la forme.